Allez, je te rapproche. Pourquoi t'étais si loin de moi? Vomis pas. David ne vomit pas. Allez, on a fait dans le bleu en fait. J'ai trouvé ce petit moteur sur AliExpress en Sunsword. 7 tours 5. Ouais, ça picote. Et je trouve que ça. En plus, c'est quasiment le même bleu. J'ai pris ça parce qu'il était bleu. J'ai rien. Et puis il était Sunsword. Donc franchement, voilà. Et puis notre MH120 parce qu'il était bleu aussi. Alors, c'est aussi pour des questions financières, hein, ça aide quand même. Sachant que le seul bleu que j'avais trouvé, c'est un Sky RC 120. Donc, si ça me plaît et que j'ai envie d'investir dans un truc où je peux mettre du timing notamment, mais bon, avec un 7 tour 5, ça devrait aller, je passerai sur ce Sky RC, voilà. Hein. Bon, je vais pas vous montrer le montage, parce que ça sert à rien. Les soudages, tout ça, on sort top dès qu'on a fini et après on montrera donc le support, l'hip-hop. Allez, à toutes. Alors, petit changement chez Polo Timasso, vis de moteur d'origine. Ah, ça fait super joli, il y a une super rondelle. Par contre, quand tu le mets sur le pare-feu moteur, tu as ridiculeusement 2 mm littéralement dans le moteur. Donc moi je vais changer ça pour me prendre déjà une tête hexagonale parce que c'est quand même plus solide, plus costaud, l'empreinte en tout cas. Il est un peu plus long quand même parce que... Et quand même, hein, ça va bouger là-dessus. Hein. Allez, à tout. Tiens, petite astuce. Si t'as pas de prise 5 mm pour faire prise P80, et ben va voir dans tes EC5. Ben en fait t'as juste à souder à 90 degrés. Dans la poche, et ça fait une petite économie. Voilà, ça fait quelque chose comme ça avec un strap, ça fait joli. Petite économie, voilà. T'as retrouvé des 5, et bah tu t'adaptes. Voilà. Allez, sachez 10, je crois, c'est le dernier. On a monté l'électronique. Voilà. Bon, il y a de la place, ça c'est sûr. Par contre, c'est vrai que c'est chiant, tous ces câbles qui se baladent. Dans une boîte radio, c'était tellement simple. Voilà, à peu près le truc. On va maintenant monter le support lipo. Support lipo. Donc, hop, ça. Faut que la collerette se monte. Correct, ça aura du haut d'un lipo. Comme j'ai une lipo assez petite. Donc c'est ça qui va te permettre de... Encore, on va être quasiment... De régler la hauteur de ton bac à lipo en fonction des lipos. Tout simplement. Ouais, on est là. On est là des paquettes. Ouais, puis comme j'ai un truck, j'ai mis le trilili. Il y a de la place sur ce engin pour l'électronique. Alors dans le kit aussi, il te donne un support de i-ventilo que tu mets comme as derrière, mais avec le sensor, de toute façon, ça passe pas, donc tu le supportes pas. Mais si tu n'en as pas besoin, il te donne le support pour cacher le trou. Fais quand même des jambes, hein. Tac. Et ils sont malins chez Asso. Pas que j'oublie la vie. J'oublie la vie, c'est malin. Comme je suis, je vais le faire tout de suite. Après ça. Après l'interminable vissage. Voilà. Hop, on va direct visser cette vis là. Parce que ça sent l'oubli, ça, faut pas rêver. Tac. Voilà. Donc, tac, on a fait ça. Ensuite, il
qui dit City Masso, dit... Ensuite, après, il dit qu'il faut mettre des linen traps. Yep. Alors, moi, j'ai pas de washer. J'ai que 4 washers. Il faut que ça fasse 3 mm. Ah non, 3 par 8. D'accord, pourquoi j'en ai 4? 2. Ok, donc, oui, c'est ça. Juste, donc, c'est ça, c'est bon. Tu regardes pas. Tu regardes pas, tu regardes pas. Tu regardes pas, je te jure, tu me regardes plus comme avant. Thumb through. C'est quoi ça, thumb through? Bon, on va regarder. Hein? Tac, tic, tac, d'un côté, ta, ti, ta, ta. Ok. Ça, ça se met par devant, j'imagine. Il faut un peu visualiser, parce que là, je suis un peu... Il faut mettre quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, d'accord, Roger, mais il y a un sens. Zanzibar. On peut pas le mettre si long que ça, quand même. Bon, ça rentre pour dire ce que je fais. Désolé de te le dire, mais avec ma stipo, ça rentre pour ce que tu me dis de faire. Puis ça rentre toujours pas. Donc voilà, ça sera ici, hein, moi. Oh non, là on est pas super calé, mais ça devrait aller quand même. Je vois pas, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Battery trap x2. Mais qu'est-ce que c'est quoi cet embrouillon? Hein? Mais comment dire, je vais faire x2 avec une petite vis? Parce que là, il y a quand même un sacré gap, hein, les gars. Je comprends pas. Je vais comprendre, sûrement, je vais comprendre, sûrement. Ah, celui-là, il est. Il permet de glisser. Derrière Tommy. Et ça permet de s'ajuster parfaitement. Oh là là, ils sont forts, chez Timasso. Il y a une liste de courses sur la vaisselle. Ok. Voilà, sur le bar. Et il faudrait juste que les garçons aient des bouteilles. Je pense que ça... Je comprends pas pourquoi. C'est un peu dans leur capacité de faire. Tu crois? Oui. Moi, je suis vraiment pas sûr. Mais je vais leur demander, ça va être... Voilà, ce que ça donne. Et ça permet de bouger en largeur. Donc. Bon, il y a une longueur qui va pas là, mais ça va à peu près, ça va, hein, ça va aller. On va sortir, Nico. Ah, par contre là, ça me cache les plus et les moins, ça. Ouh, ça sent la boulette. Ça sent la boulette, ça. Ça, on va leur faire un truc parce que ça, c'est, tu vois plus les plus et les moins qui sont sur la batterie. Alors là, ça sent la grosse catastrophe. Il va falloir que je marque plus et moins.
Ouais. Oui, je vous confirmez. Vous confirmez. Bien sûr, vous êtes confirmé. Vous êtes tellement gentil. Tellement gentil. Thumb screw. Yep. Voilà, c'est sûr que globalement il peut pas sortir le paclipou. Là il est settle, tu vois. Ouais, mais alors là il va falloir faire gaffe. Mais bon, globalement, get donc. Il est fini, hein. Donc plus qu'à mettre les roues, la carreau. Et ça sera pour la vidéo de présentation finale. Mais putain, qu'est-ce que c'est joli. On pèsera tout ça à la fin. Allez, à plus!